Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'était mieux avant, votre dose hebdomadaire de musique et d'anecdotes. Au programme aujourd'hui, vous connaissez forcément cet homme. Et vous connaissez forcément ses tubes. Lui, c'est Shaggy et il est la star de l'été avec le tube Banana. Mais si vous pouvez fredonner ces titres sans problème, vous ne savez pas tout sur l'homme et l'artiste. Voici donc 5 histoires parfois improbables, mais vraies, sur Shaggy. Numéro 1, son nom. Shaggy ne s'appelle pas Shaggy, pas du tout même. Il est né Orville Richard Burrell le 22 octobre 1968 à Kingston, en Jamaïque. Mais alors, pourquoi Shaggy ? Tout simplement parce que le chanteur est fan de Scooby-Doo, et plus particulièrement du personnage de Sammy Rogers. Dans la version originale, le prénom de Sammy est Shaggy, tout simplement. Numéro 2, son grade. Shaggy n'a pas toujours été l'un des chanteurs les plus populaires au monde. Avant d'entamer une carrière musicale, il voulait être pompier et fut même soldat. En 1988, il n'a que 20 ans quand il s'engage dans le 10e régiment du corps des marines. Il combattra même durant la guerre du Golfe. Et c'est durant ses années de soldat qu'il perfectionnera son chant. Numéro 3, c'était pas lui. Si Shaggy connaît le succès mondial dès 1993, c'est véritablement avec It Wasn't Me en 2000 qu'il devient une star. Laissons parler les chiffres, il s'agit du 11e single le mieux vendu du 21e siècle en Angleterre et il s'est écoulé en France à près de 400 000 copies. Shaggy est ainsi le seul artiste reggae vivant certifié disque de diamant et l'un des 3 artistes reggae les plus streamés au monde sur Spotify. Pas mal pour celui dont le premier petit boulot fut vendeur de glace. Numéro 4, son plus grand fan. Michael Jackson l'invita à jouer au Madison Square Garden de New York en 2001 pour célébrer ses 30 années de carrière. Le King of Pop lui a même dit qu'il se reconnaissait dans ses textes. Autre légende, James Brown, il lui prononça un jour ces mots « Tant que tu as ton talent, tu es un homme riche », Shaggy n'a jamais oublié. He said, as long as you have your talent, you're a rich man. And I always believe that, that I will, and it, that has been a part of my longevity. Because I always rely on what was given to me by God to get me out of anything that I've ever been in. Numéro 5, son autre passion. Shaggy est musicien donc chanteur, mais Shaggy est peintre aussi et conteur. Le chanteur a en effet écrit un livre pour enfants intitulé Shaggy Perroquet et le groupe de reggae. Le livre a été distribué gratuitement dans plusieurs écoles de la Jamaïque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt sur C'était mieux avant, et d'ici là, abonnez-vous !